Les acteurs du ministère de l'Environnement et leurs partenaires techniques et financiers sont en conclave le temps d'une journée. Sur la table, l'avant-projet de révision de la loi 14/PR/98 du 17 août 1998 définissant les principes généraux de la protection de l'environnement. Ce comité avait pour mission essentielle de identifier et corriger les insuffisances constatées dans le cadre de la gestion de l'environnement en général et surtout les pollutions liées aux activités pétrolières en particulier. Proposer un nouveau projet de la loi révisé. Soumettre le projet de la loi validé à l'appréciation de la hiérarchie. Une phase finale après un long parcours du comité de révision afin de doter le pays d'un document juridique adapté au contexte actuel. L'émergence de nouvelles problématiques liées d'une part à la gestion des ressources naturelles et d'autre part au changement climatique. Des insuffisances ont été constatées car les textes élaborés et adoptés dans un contexte lointain. C'est pourquoi sa révision est devenue un impératif en vue de mettre en place un nouveau dispositif juridique plus efficace pour la protection de l'environnement. Cet avant-projet de révision, une fois validé, va permettre au pays d'honorer ses engagements internationaux en matière de protection de l'environnement. Vœu cher des plus hautes autorités qui lui accordent une place de choix dans les conclusions issues du dialogue national inclusif et souverain.